Nation. Audience à la présidence, le président de la République par intérim, professeur Diankuna Traoré, a reçu hier deux délégations, celle de l'Union européenne et d'investisseurs italiens et suisses. Avec la première, il a été question de la situation politique et sécuritaire du Mali et avec la seconde, de la construction d'une raffinerie d'or au Mali. Le résumé des audiences avec Boubacar Sissoko. Quant aux investisseurs italiens et suisses, partenaires de la Chambre des mines du Mali, ils sont venus informer le professeur Diankuna Traoré, président de la République par intérim, de leur projet de construction d'une raffinerie d'or au Mali. Nous devons le plus tôt possible, nous pensons avoir la possibilité de mettre la première pierre inaugurale au mois de novembre cette année. Nous considérons une unité industrielle de 400 emplois permanents avec 50 formations de techniciens hautement spécialisés. Cette future raffinerie d'or, dénommée Kankoumoussa, sera construite dans la zone aéroportuaire de Bamako-Senou. Cette industrie servira au raffinage.